Salut tout le monde! Bon, la date approche, dans moins de 30 jours, je fais le Paris-Roubaix Challenge, le 70 km. Donc finalement, je vais prendre le vélo de route, parce que ce qui est plus logique, parce qu'en fait, il n'y a que dizaines de kilomètres de section pavée. Ils sont marqués avec le VTT qui fait 5-6 kilos de plus. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc je vais vous montrer un petit peu les petits aménagements que j'ai fait sur le vélo de route pour apporter du confort, pour éviter de prendre trop la misère. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voici le vélo que j'embarque pour le Paris-Roubaix. Donc c'est un vélo que j'ai depuis 11 ans. Il est équipé d'un cadre alu, une fourche carbone. Transmission Shimano 105. Franchement, ça va très très bien. Je lui avais mis un pédalier compact, le SRAM Rival en 50-34. Ça va très très bien. Parce que moi, j'avais du mal à emmener le 52 d'origine. Et je suis tombé là-dessus. Et finalement, bah, j'ai pris. Donc ça. Les aménagements, donc c'est les gros pneus. J'ai mis des pneus en 700 par 28 pour absorber vraiment le maximum de choc, etc. Donc ça passe juste au niveau du collier de dérailleur, mais ça passe. J'ai à peu près même pas 2 mm de jeu. Et j'ai une guidoline double, donc deux éperçois de guidoline en gel. Là, c'est la Pro Logo. Bah, ça a apporté vraiment un maximum de confort. Donc je vous laisse et puis je vous souhaite un bon ride. Bonne rando pour ceux qui sortent dimanche. Allez, à la prochaine. Salut et suivez-moi sur la route.